Bon matin! J'espère que vous allez bien. Mon Dieu, c'est un matin ensoleillé ou quoi? Hey, le soleil est intense! Là, il est 8h20 et je suis de retour à la solitude. Ouais, solitude, je sais pas comment dire ça de même. Ça va être vraiment tranquille ce matin, puis Dieu sait que ça va faire du bien. Je suis pas fine, tu sais. Hier, je disais à Alex, il dit « Colin, tu sais, c'est... » C'est tes enfants et ta fille, t'as trouvé ça dur de même? Je dis, ben oui, j'ai trouvé ça dur de même. Pour vrai, là, c'était quelque chose. Là. J'étais vraiment crevée. Puis, non, c'était plus facile quand j'avais juste les deux jeunes, quand Charlie était pas là. Quand Charlie est là, là, pour vrai, là. Ouais. Ça veut faire sa petite bosse un peu, puis Eliott, il aime pas ça. Hey, écoutez ce que j'écoute dans mon auto depuis genre 3 jours. Charlie à Capote, j'arrête pas d'écouter ça sur repeat. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, ben, je vais aller déjeuner. Après ça, j'aurai un voice-over à faire sur une. Ben, j'ai deux vidéos qu'il faudrait que je fasse des voix dessus. Je vais en faire une, celle que le montage est comme complètement fini. Je vais le faire ce matin, comme ça, dans le meilleur des mondes. Demain, je pourrais mettre ça en ligne. L'autre, ça va aller. Je le ferai peut-être plus demain parce qu'il me manque un bout dans la vidéo. Puis. Ah, je peux pas mettre ça demain en ligne, c'est vrai, j'ai pas fait mon intro. En tout cas, ça sera en ligne dans les prochains jours, en tout cas, je verrai. Mais ouais, après, je fasse la voix, parce que c'est ça, je vous en prie pendant que je suis toute seule. Dans le meilleur des mondes aussi, j'aurais ma salle de bain à faire, mais ça me tente vraiment pas. Pas en tout. En tout cas, on verra. Puis ce soir, ben, c'est l'épicerie, mais ma liste est déjà faite, fait que c'est une bonne affaire de fête. Il est vraiment fort, le soleil, sérieux. T'as... Ouais. Donc, ça risque d'être un petit avant-midi assez relax, même une après-midi relax, parce que Eliott, dans le fond, il va sûrement faire dodo, mais qu'il revienne. Je sais pas comment me placer. En tout cas, on se parlera pas trop longtemps, parce que c'est vraiment désagréable, le soleil. Il fait vraiment droit dans ma face. Fait que je vais aller manger, puis on va se donner une nouvelle un peu plus tard. Je voulais-tu vous dire quelque chose? Mais finalement, hier soir, ça a vraiment été productif parce que j'ai fait le montage de mes 3 vidéos, mon vlog, mes 2 vidéos. J'ai eu le temps de tout faire ça. Après ça, j'ai écouté Mémoire vive, j'ai écouté Occupation double, puis j'allais me coucher, il était rendu minuit. Ah, j'ai écouté un District 31 aussi parce que je suis en retard. Mais, hey, Occupation double, là, je capote. Avez-vous vu celle d'hier, dans le fond, celle de mercredi, là? Il faisait comme une affaire de méditation mandala ou je sais pas trop, là. Puis, hey, il broyait tout, là. Il pleurait tout, là. Tu sais, c'est qu'elle est comme les cheveux blancs avec une. Tu sais, toute gonflée, là. J'étais mal à l'aise, comme, de les regarder, là. Pas que je trouve pas ça bien, là. Tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Ça les rend. Puis ils sont capables d'être dans cette tête-là, puis tout. Mais j'étais mal à l'aise de la regarder, elle, puis Cendrick, je pense qu'il s'appelle, le gars. Je vous le dis, j'avais l'impression, comme, que j'étais en train de les regarder. Ben. Dans leur ébat, là. Vraiment, là. C'était comme. C'était malaisant, je trouve. Là. La blonde, là, était vraiment dedans. En tout cas, moi, j'aurais fait un gros plat sur quelqu'un d'autre. Là. C'était vraiment malaisant. En tout cas, mais c'était vraiment bon. Fait que j'ai bien hâte d'écouter ça ce soir. Puis, c'est mal, ça. Ah, puis le hockey commence ce soir. Wouh, go, abs, go. On est des fans de hockey chez nous. Puis, quand le hockey recommence à chaque année, c'est tout le temps un gros événement. Vraiment. Ouais. Fait que je vous laisse là-dessus, je vais aller manger, j'ai vraiment faim, puis on va se parler tantôt. Bonne journée! Allô, là, il est rendu presque, ben il est 10h38. Fait que l'heure du dîner approche tranquillement, pas vite. Je vais faire mon fameux macaroni au fromage tant populaire chez Charlie, mais là, je vais essayer de pas le moffer comme la dernière fois. Ce sera pas un gros macaroni parce qu'il y a juste ça de pâte. Mais, excusez-moi, un sac au complet. Dans le fond, je pense que je vais en avoir assez. Je pense que c'est vraiment moi qui ai vraiment un problème avec les quantités de... pâte, là. Je suis sûre que je suis pas la seule. Laissez-moi ça en commentaire. Là. Dites-moi ceux et celles qui font du macaroni comme pour 4 personnes mais qui font cuire des pâtes pour une semaine. Je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis certaine. Il y en a plein qui ont ce problème-là. Je suis là avec ma spatule. Fait que là, je vais faire ça. Ce matin, la seule et unique chose que j'ai faite, c'est... OK. Ah, c'est chaud. C'est de travailler sur ma vidéo. J'aimerais vraiment ça la mettre en ligne demain. Même peut-être aujourd'hui, je sais pas. Mais, tu sais, je suis pas full équipée. C'est la première fois que je fais ça, moi, un voice-over. Fait que, tu sais, j'ai pas de micro, rien. J'étais allée avec les moyens du bord, j'étais avec mon ordi.
Fait que le bruit de fond m'agresse un petit peu, là, mais là, pour une première fois, on va y aller de même. Je pense que c'est quand même passable. Puis si je vois que je fais beaucoup de vidéos et que j'aime vraiment ça, ben là, j'irai magasiner le nécessaire, ce qu'il faut pour faire des vidéos de meilleure qualité, côté son, je parle. Là, je pense que je vais aller m'attacher les cheveux parce que j'ai vraiment chaud. Je vais faire mon macaroni. C'est pas bien long, mais il faut quand même le faire. Puis, c'est quoi que j'allais faire? Je vais aller me changer. Je vais me mettre en camisole. J'ai vraiment chaud. Hey, j'étais en cagoule le matin. Je suis en train de mourir de chaleur, là. Fait que je me suis cagoule, je me suis changée, mais j'ai encore chaud. Fait que je vais me rechanger. Puis, c'est pas mal ça. Donc, faire mon macaroni, puis on va se parler tantôt. Salut! Charlie, elle vient de... Wow, oui, hein? Okay. Charlie vient de partir pour l'école. Eliott, il fait des dessins. Ah, oh, tu les sers? Hein? Wow! Tu fais du ménage? Ah, oh, t'es gentil! Ah, oh, t'es gentil, Eliott! Ok. C'est les crayons à qui, ça? C'est les crayons à qui, Eliott? C'est les crayons à maman. Ouais. Ouais. Là, je suis un peu déçue parce que, dans le fond, je pensais pouvoir mettre ma vidéo aujourd'hui, mais là, je peux pas parce que le son est vraiment pas... Je suis vraiment pas satisfaite, là, pour vrai, vraiment pas. Fait que j'ai un ami qui m'a prêté un micro, puis je vais essayer de le tourner avec ça. Ben, je fais un test tantôt, puis ça sonnait déjà beaucoup mieux qu'avec pas de micro, là. Parce que, tu sais, on m'entend, là, mais la qualité est vraiment pas bonne, puis ça m'achale, puis tu sais. J'aime autant mieux le mettre en ligne plus tard qu'être plus satisfaite de la qualité que de juste le pitcher en ligne juste pour dire que je mets quelque chose en ligne. Fait que, c'est ça. Alors, ça va aller plus à demain soir ou samedi matin. Je verrai. À part de tout ça, qu'est-ce qui se passe de bon? Pas grand-chose. Là, je vais me faire un thé. Donc, ben, je me suis dit que il fallait vraiment que j'écoule ma collection de thé. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup de petits pots comme ça qui viennent comme d'un peu partout, là, des calendriers de l'Avent, les kits de collection, là. Pis souvent, je les prends pas toutes, là. Fait que là, j'ai décidé que ça commençait aujourd'hui, j'allais écouler mon stock de thé pour me sentir moins mal d'en acheter du nouveau. Puis là, je vais boire pain doré à la cardamome. Ça vient d'un calendrier de l'Avent, je pense. Ouais, ben oui, c'est sûr, il y a la petite boîte. C'était le 21 décembre. Puis si je me trompe pas, c'est dans la collection d'hiver qui était sortie il y a 2 ans. Je suis pas sûre, mais ça, en tout cas. C'est un thé noir, caféine faible. Fait que, en tout cas, je vais boire ça cet après-midi. Je l'ai déjà bu parce qu'il en manque dans le pot, mais je m'en souviens pas. J'ai zéro souvenir d'avoir goûté à ça. Fait que ça va être ça pour cet après-midi. Ah, Eliott vient de tout ressortir les crayons. Qu'est-ce que tu fais, Eliott? Toi, tu vas les remettre dedans? T'as des drôles de jeux des fois. Tu pourras pas les mettre comme ça, faut les mettre un à la fois. Mais c'est pas, mais c'est pas.
T'en mets deux? Bon, ok. Fais qu'est-ce que tu veux. Je m'en viens t'aider. Fait que là, ça va être ça. Je vais aller coucher Lia. Je vais pouvoir monter. J'ai de la planif à faire. J'ai des trucs dans mon agenda à ajouter. Je vais sûrement décorer ma semaine prochaine, mais mon autre semaine. Ouais, ça va faire. Je m'en vais l'aider. Fait qu'on se parle tantôt. Salut! Hey, je capote. Je parle pas fort parce qu'Eliott vient juste s'endormir, là. Mais j'arrive à boire mon thé avec un petit peu de lait dedans, là. Puis, sérieux, je capote. C'est trop bon. Je me souvenais pas que c'était bon de même. Pour vrai, là. On dirait que, je sais pas, il m'avait pas marqué. Je m'en souvenais même pas, je l'avais déjà vu. Puis, j'allais voir sur le site s'il l'avait encore en ce moment, vu que c'est pas un thé. Je savais pas si le thé était comme tout le temps là. Puis, on peut plus l'acheter en vrac, mais on peut le commander dans les boîtes arc-en-ciel comme ça, là, à 3 pour. 3 pour je sais plus combien, là. Mais ouais, c'est ça. Ben, une boîte, c'est 16$. Mais c'est 3 pour le prix de 2 qui est écrit. Fait que vous pouvez l'acheter en canne comme ça. Puis, dans le fond, c'est. Thé noir, cannelle, zeste de citron, graines de coriandre, sucre de coco, sucre de canne, cardamome. Mais moi, je trouve pas que ça goûte tant. Ouais, ça goûte un petit peu la cannelle, mais pas tant que ça. Ça goûte pas tant la cannelle. En tout cas, c'est vraiment bon. Fait que si vous cherchez un thé à essayer, là. Je pense qu'il est dans la boîte cadeau aussi. Thé au coin du feu, là. Thé. Attendez. Roue des thés au coin du feu. Je suis pas mal sûre qu'il y a dedans. Ouais. Il y a du chai citrouillé, chai chocolat blanc, chai s'more au s'more, pain doré à la cardamome, muffin au beurre et cupcake aux carottes. Wow, c'est comme trop mon genre de coffret, ça. Ça coffrait comme ça, là, avec des petits sachets, là. Ouais, 36$, le petit coffret. En tout cas, c'est juste ça que je voulais vous dire. Fait que moi, je m'en vais faire du planning. Pourquoi tu ris, Charlie? Parce que maman a oublié de mettre à filmer. Charlie, elle nous a toutes lu ça. Puis j'avais pas filmé. Ben, on recommence. Non, on va pas recommencer. Oui, oui, oui. C'est une évaluation. Fait que non. Ça dit. Ben, c'est comme. Ben, dans le fond, c'est français, lecture, ça va bien. Ça va bien partout. Français, écrit, ça va bien. Ouais. J'ai vu lire ça. Malgré sa timidité, Charlie est capable de venir nous demander mon aide, si nécessaire. Bravo, Madame Guylaine. Ouais, parce que là, Charlie, elle vient d'arriver de l'école, là. Puis elle a une belle évaluation. Je sais pas si c'est pas une évaluation, c'est comme. C'est pas un bulletin, c'est comme juste une évaluation, c'est ça. Mais ça, elle écrit en anglais. Montre qu'est-ce qu'elle a écrit. Ben, je suis capable de lire, mais je sais pas ce que ça veut dire. Oh, essaie de parler un peu plus, chante, répète, t'es capable. Bizarre. Là, Eliott, lui, mais moi, c'est tout à fait mal. Mais c'est elle qui me choisit pas. Okay. Chut, 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 chut. Oh, regarde. Oh, parce qu'il faut que tu comptes ça. On va y avoir. T'es à l'envers. Tiens, t'as mangé du chocolat, Eliott? J'ai mangé une toast. Tiens. Bon, OK. Mais tu sais, Charlotte va aller passer le son. OK. Écoute-moi. Charlie, écoute-moi. Quoi? Dictée. Puis mathématiques, ok? Ok, mais c'est les gros mots, hein? Ouais, les gros mots. Comme restaurant. Ah, tu veux me filmer? Bon. Ok, Charlie, go, parce que sinon on n'ira pas au restaurant. Ok. Ok, go. Ouais, fait que là, faut voir les gars. Ok, vas-y. Fait que là, moi, je vais servir ma vaisselle, je vais passer la balayeuse. Puis nous, on va aller manger au Québéco. C'est comme une espèce de belle province, mais meilleure. Fait qu'on va aller manger là. Puis ça devrait pas être trop long ce soir, on va juste au Walmart. Maman, la flûte. La flûte? Elle est à l'école, la flûte. Oh, parce qu'elle est pas née,
On va demander à Charlie qu'elle la ramène à la maison, OK? Toi, tu veux te pratiquer à la flûte? On pourrait peut-être t'acheter une flûte à toi. On va l'amener ici. Hey, Charlie! On est quelle date? Assieds-toi. On est quelle date? On est le 5. Toi, tu sais pas quoi faire. Bon, ça va bien. Ouais, ben, je vais tout ramasser. Je vais tout mettre ça clean pour que quand on revienne ce soir, ce sera pas le gros bordel. Moi, il y a assieds-toi qui me démoralise quand on revient quelque part, puis c'est le bordel dans la maison, là. Ça me rend folle. La petite liste est prête. Hey, j'avais vous montré mon buffet. Je trouve ça vraiment beau, ces petits... voyons, ce petit panneau-là, je le trouve vraiment cute. Je le trouve ça Dollarama, je sais pas si vous vous souvenez. C'est pas quoi faire. Bon. Fait que c'est ça. Nous, on va se préparer, on va attendre papa dehors après ça. On va aller manger au restaurant. Yeah! Tu es content? Tu vas manger juste des patates? Là, mon pain, il est là parce que je vais descendre dans le congélateur en bas. Tu vas juste manger des patates, Eliane, t'as dit? Hot dog avec des patates au mayo. OK. Des patates au mayo. Ben oui, c'est ça. Tantôt. L'épicerie, on est allé au Walmart, on est au Costco, pas au Costco, au Bob Barn, on est allé manger au Québécois avant. Mais je vous montre ce qu'on a acheté à l'épicerie, je vous montre en premier ce qu'on a acheté au Bob Barn. Donc, je me suis acheté des raisins secs, comme ça, parce que je vais me faire des biscuits à l'avoine, puis des muffins. Alex, lui, s'est pris des espèces de petites choses de même, là, chocolat, que personne n'achète, qui traîne d'habitude sur les comptoirs de nos grands-mères. Des citrouilles comme ça au caramel. Je vais te mettre dans la poubelle. Des petits fruits de même. Il y a aussi de l'eau charnière. Ça, c'est Charlie, ça veut dire des petits bonbons sur elle. Des Skittles, sur elle. Pourquoi tu les as même pas donné? Parce que vous en aviez assez. Des pêches, sur elle. Tu des pêches, sur elle? Non, tantôt. Demain. Des citrouilles au chocolat. Pour demain, OK? Ouais. Puis des poissons bleus. Ils en ont mangé un petit peu parce que dans le fond, puisque Charlie, à cause de son évaluation qui était super bonne, on a dit on va la gâter un petit peu. Puis demain, avec notre soirée cinéma, parce qu'elle a sa dictée, puis elle a travaillé fort, puis je suis sûre qu'elle va être toute, toute bonne, hein, la dictée demain. Fait qu'on a dit qu'on pourrait faire une soirée cinéma avec des bonbons. Et après ça, pour l'épicerie, des ananas. Ananas, d'ananas, c'est pour ma recette de porc aigre doux. On a du lait en arrière ici. Des fraises. Charlie, elle est gelée celle-là. Des poivrons. J'en ai un verre aussi. Puis un verre, sauf pour une recette. Non, Charlie, s'il te plaît. Filet de porc. Poulet. Un jus fraise banane. Puis un jus clémentine pêche, comme ça. Il est trop bon, lui. Non. Vinaigrette italienne, je savais pas ce qu'il m'en restait, fait que j'en ai racheté au cas, je voulais pas retourner à l'épicerie. De la sauce classico, cette fois c'est épicé aux tomates et parmesan nouveau. C'est pas vrai, Alex! Oui! Alex! Oui, c'est vrai! De l'ail haché en pot, je n'en avais plus. Encore des compotes en sachet, ben pas en sachet, mais en petit squeeze. Sauce miel et ail. Des cubes de vache curry pour l'école à Charlie. Un autre bloc de fromage. Il m'en restait pas mal, mais j'en achète tout le temps. Au pire, je fais une réserve. Mais non! Je fais une réserve. Des oignons verts. Ensuite, j'ai acheté des nanos comme ça, mais squeeze, en sac squeeze, là, comme les compotes. Faire changement. Pommes fraises, compote de fruits et yogourt. Fait que ça va faire différent. Des patates grelots. Vous savez, c'est comme mon dépendant préféré. Des pommes asiatiques. Je me rappelle jamais comment ça s'appelle. De la mayo. Je me suis acheté ça.
Puis j'ai jamais goûté assez au chocolat. J'ai goûté assez aux framboises, aux fraises, mais j'aime au chocolat. C'est tellement bon aux framboises, aux fraises. C'est sûr que ça va être bon. J'ai acheté un paquet de ramen comme ça. Il y a 4 sacs. Ça, c'est parce que j'aime beaucoup faire des sautés avec ça. Je mets pas la poudre, je mets juste les pâtes. Puis ça fait des super bons sautés. Un paquet de petits jus. Un pain Country Harvest. Lin quinoa. Il est vraiment bon celui-là. Qu'est-ce que tu veux, mon loup? De l'eau? Veux-tu de l'eau? Tiens, Eliott. Eliott, de l'eau? Attends, tu peux, je vais te le donner. Attends. Je me dépêche. C'est l'asperge. Un paquet de pâtes comme ça au bœuf. 4 sidekicks, 2 filets, un champignon campagnard, le riz, puis un riz cheddar brocoli, banane, des compotes de même. Ça sert à quoi, eux autres? Pommes et baies. Des pâtes d'ours aux pommes. Des petits cornichons sucrés pour ma salade de macaroni. Puis, 2 sacs de pâte, 1 sac de macaroni, puis un sac de roulettes comme ça. C'est quoi le vrai nom de ça? Maman, tu l'as eu, ok. Fait que tout ça. J'ai fait ça vite, hein? Tabarnouche. Oh, il manque des choses ici. Un gel de douche pour Alex. Des tubes, je les étudie. Des tubes. Ça rend rap. Ce sera pas long, Minou. Papier alu. Ah! Sac de congélation. Et ma pâte d'orme. Là, j'ai fini, pour vrai. Fait que, en tout, ça va coûter 143 l'épicerie puis 15 de dollars au Bog Barn. Merci! Ça me dit, oh, on a du papier, essuie-tout, puis ça fait toilette. Hein? Attends, pas lui, on a un déjà d'ouvert. Là, il est de ta famille parce qu'il a pas mangé beaucoup au restaurant. Il a comme plus jacassé que d'autres choses. Fait que là, il a faim. Mais je vais sacrer l'épicerie, on va se préparer tranquillement pour aller coucher. Moi, je suis crevée, j'ai un petit peu la tête, j'ai une prendre des pilules. Ça va être assez relax ce soir. Demain, j'ai un peu de popote à faire. Puis il faut aussi qu'on imprime la carte parce que samedi, ça va faire les balades gourmandes, mais c'est la première fois qu'on les fait toute seule. Fait qu'il faut qu'on imprime la carte là, parce qu'on va être un peu perdu sinon. Fait que c'est ça pour ce soir, ben pour aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous dire bonne soirée. À demain.